parle de dépigmentation volontaire, c'est le fait d'utiliser sur sa peau certains types de substances dans le but de l'éclaircir, en fait. C'est ça la dépigmentation volontaire de façon simple. Soin de la peau, c'est entretenir sa peau. C'est-à-dire le fait d'entretenir sa peau. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire si vous prenez l'habitude de faire des gommages, pas seulement sur le visage, mais par exemple des gommages corporels, deux fois par mois par exemple, vous exfoliez, donc vous enlevez la peau morte qui se trouve sur la peau. Et après, quand vous l'hydratez, vous ne pouvez avoir qu'une peau plus belle. Oui, on peut se dépigmenter de façon involontaire. Par exemple, dans des couples, il y a des conjoints qui utilisent tout simplement le lait de leur épouse sans généralement savoir que ce sont des laits éclaircissants. Et parfois, quand ils viennent pour certains motifs en consultation, on remarque certains signes et on leur demande « Mais quel lait vous utilisez ?» Je dis « Je ne sais pas, j'utilise le lait de ma femme. » Et on leur dit que bon, sûrement le lait de votre épouse est un lait éclaircissant. C'est pour ça que vous avez tel signe sur la peau. Ou alors d'autres personnes parfois vont dans des parfumeries et demandent conseil à la vendeuse. Elle leur donne des laits et généralement ils ne savent pas que c'est des laits éclaircissants. Ou d'autres le font par mimétisme parce qu'elles ont vu leur copine utiliser un tel ou un tel produit. Elles disent que bon, je vais l'utiliser et puis c'est tout. Voilà. Et généralement parfois c'est éclaircissant. Les produits généralement utilisés dans la dépigmentation sont multiples. Le plus connu, le plus utilisé, même encore aujourd'hui, ça reste l'hydroquinone. Certaines personnes utilisent les corticoïdes. Les corticoïdes, en fait, il faut rappeler que ce sont des médicaments. Des médicaments utilisés, que nous utilisons beaucoup en médecine, en dermatologie, dans toutes les branches de la médecine, et qui ont pour effet secondaire d'éclaircir la peau. Donc ces produits sont détournés en fait de leur usage premier et en fait détournés pour être utilisés comme produit éclaircissant. Certaines personnes utilisent des dérivés mercuriels, le mercure, pour s'éclaircir la peau. Le mercure, c'est cette petite substance qu'on trouvait dans les anciens thermomètres qui est un produit toxique. C'est pour ça que ces thermomètres sont interdit d'utilisation de nos jours. Certaines personnes utilisent tout simplement des préparations magistrales qu'elles font elles-mêmes à la maison. Des compositions qu'elles font elles-mêmes à la maison avec des substances qu'on ne maîtrise pas toujours. Certains mettent du javel, un peu de n'importe quoi. D'autres utilisent depuis quelques temps, pas très longtemps, et à ce qui est à la mode actuellement comme produit éclaircissant qu'on appelle le glutathion. La plupart des cas, les substances ne sont pas inscrites. Surtout des produits, parce que généralement, on sait qu'il y a des produits naturels, si je puis dire, qui apportent un certain éclat à la peau, ce qu'on appelle souvent des acides de fruits. Donc, il y a des films cosmétiques qui vont mettre sur les emballages acide de fruits, par exemple, pour qu'on dise que c'est naturel, c'est bio. Mais en faisant des dosages, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a de l'hydroquinone. Ou alors une patiente ou une personne qui va utiliser ce produit en se disant que non, c'est juste des acides de fruits, c'est-à-dire c'est naturel, comme on dit, elle se retrouve à développer des effets secondaires qui sont généralement rattachés à certains types de produits éclaircissants. Parce qu'il faut encore dire que ce qui est accepté dans certains pays, comme aux États-Unis, c'est des produits cosmétiques à base d'hydroquinone à 2%. Bien qu'en Europe, ce soit interdit complètement l'hydroquinone et ne soit utilisé qu'en préparation magistrale bien contrôlée par le dermatologue pour des indications bien précises. C'est à
absolument pas des produits éclaircissants. C'est des produits naturels, c'est des produits bio, c'est des produits ancestraux qui ont été utilisés pendant des siècles par nos ancêtres, qui ont été parfois abandonnés, parfois négligés à cause peut-être de l'odeur, à cause peut-être de ceci. Mais de plus en plus, il y a un regain d'intérêt pour ces produits. Ce qui fait qu'il y a des firmes cosmétiques qui utilisent ces produits, qui utilisent les vertus de ces produits. Ils enlèvent le côté que nous n'aimons pas. Par exemple, on sait bien que notre manyanga, notre huile de palmier, ça a une petite odeur. Donc, on essaie de raffiner ça au maximum et de l'introduire dans certains produits cosmétiques. La dépigmentation volontaire est un... S'il y a un regard d'intérêt pour le sujet, c'est parce que cette dépigmentation volontaire pose aujourd'hui un réel problème de santé publique de par les effets secondaires, les conséquences que ces produits peuvent avoir sur la peau, sur l'être humain, sur l'organisme humain en général. Donc, tout d'abord, les premières conséquences sont qu'on voit, qui sont visibles, parce que c'est des produits topiques, c'est-à-dire des produits appliqués sur la peau. Donc la première conséquence, le premier organe qui sera affecté, ce sera effectivement la peau. Donc sur la peau, on va voir apparaître, ou alors on va avoir une aggravation des dermatoses, c'est-à-dire des maladies de peau qui existaient avant. Par exemple, on peut voir apparaître sur la peau de ce qu'on appelle les folliculites. Les folliculites, ce sont des petites infections bactériennes qui, en temps normal, n'ont pas lieu d'être. Et chez les personnes qui utilisent des produits éclaircissants, on peut voir apparaître ces folliculites-là de façon anormale, de façon profuse. Si quelqu'un a, par exemple, une gale, une scabiose, comme on dit, la gale, normalement, a une façon de se présenter. On connaît tous les symptômes, mais lorsque parfois on est face à une personne qui se dépigmente, on voit une présentation particulière, profuse, agressive de la maladie. Parce que, tout simplement parce que ces produits vont aller, surtout les corticoïdes, et vont entraîner une baisse de l'immunité, une baisse des défenses naturelles à ces endroits-là. Ce qui fait que ces infections-là vont tout simplement sortir, être contents, se développer. On peut voir apparaître ce qu'on appelle généralement les mycoses. La dâtre, la plupart des femmes qui se dépigmentent savent ce que c'est. Elles voient apparaître et c'est parfois un motif d'arrêt pour certaines, ou alors de changement, ou alors de consultation pour besoin, ou alors conseil cosmétique. Parce qu'elles vont voir apparaître ce qu'elles appellent la dâtre. La dâtre, nous, c'est le pityriasis versicolor, c'est son nom scientifique. À part cela, on peut voir aussi apparaître des vergetures. Les vergetures sont les distensions de la peau, généralement lorsque la peau est sujette à une pression ou alors à une masse importante. Lorsqu'on grossit par exemple, c'est normal parfois d'avoir des vergetures. Mais on a des vergetures vraiment inesthétiques, disgracieuses, qui vont apparaître sur le terrain des dépigmentations volontaires et à des endroits où il n'y a vraiment pas de tension cutanée. On s'attend à avoir des vergetures aux zones de tension, sur les articulations, sur, voilà. Là, ce sera vraiment un peu partout. Ce sera vraiment des formes très lâches, très, très moches. On a, avec l'utilisation continue des produits éclaircissants, un amincissement de la peau. Cet amincissement de la peau, fragilité de la peau, cette fragilité de la peau va entraîner parfois chez certaines personnes un retard de cicatrisation lorsqu'elles sont sujettes à des interventions chirurgicales, même à des petites blessures du quotidien. Et sur le plan général, sur le plan systémique, on peut avoir comme conséquence, avec l'utilisation par exemple des corticoïdes, l'apparition d'une hyper ou l'aggravation d'une hypertension artérielle, ça c'est important de le signaler, du diabète, des problèmes rénaux, des problèmes de toxicité neurologique pour ce qui est des dérivés mercuriels. On peut même avoir des cancers de la peau du fait de l'utilisation prolongée des produits éclaircissants. Oui, la santé de la reproduction, effectivement, parce que tout ce que nous, quand on est enceinte, une femme enceinte, tout ce qu'on consomme passe par le placenta, le cordon, oui, pour nourrir l'enfant. Tout ce qu'on applique sur la peau passe dans le sang, ça va chez l'enfant aussi. Donc vous imaginez bien que tout ce qu'on va appliquer comme produit éclaircissant, comme corticoïde, comme mercure sur la peau, va forcément être transmis à l'enfant.
Et l'enfant peut avoir aussi des effets secondaires. On peut avoir des problèmes de prématurité, des problèmes de retard de croissance intra-utérin, des problèmes de fausse couche. On peut avoir des problèmes, parfois des enfants qui peuvent naître avec des malformations, avec des troubles neurologiques, si on a utilisé beaucoup de produits à base de mercure aussi pendant la grossesse en fait. Mais le fait d'éviter le soleil, de s'exposer moins au soleil, fait qu'on a une peau qui va être naturellement un peu plus claire. Si vous remarquez, votre visage n'a pas la même couleur que votre poitrine, par exemple, ou vos jambes, parce que vos jambes sont couvertes par des vêtements, sont protégées par des vêtements.